arrive. Le roi. Bonjour. 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 10 heures, hein, l'exactitude et la politesse des rois. Tout le monde est là, tout le monde a son petit livre. Oui. Bon, ben, nous allons pouvoir commencer la visite. Mesdames et messieurs, vous avez choisi avec raison de visiter les jardins du roi en vous laissant guider par le roi lui-même. Il a rédigé cet itinéraire vers 1701, un âge déjà avancé, quand le château et les jardins étaient pour ainsi dire achevés. À mon avis, cette promenade est la meilleure que l'on puisse faire parce que c'est elle qui ménage le maximum d'effets non seulement visuels, mais encore dramatiques, pour ne pas dire intellectuels. En effet, nous irons de coup de théâtre en coup de théâtre selon une logique qui serait celle d'un véritable metteur en scène. Un metteur en scène qui ferait passer quelque chose. Alors faire passer quoi, me direz-vous? Eh bien, par exemple, que ce paysage, organisé pour le plaisir des yeux, l'est tout autant pour celui de la pensée. Mais oui, de la pensée. Vous allez voir, suivez-moi, suivons le roi, et ce jardin qui était le sien deviendra ainsi le vôtre. Le nôtre. Chaque touriste me l'a fait à peu près à chaque visite. Ah, mais elle est bonne. En sortant du château, par le vestibule de la cour de marbre, on ira sur la terrasse. Il faut s'arrêter sur le haut des degrés pour considérer la situation des parterres des pièces d'eau et les fontaines des cabinets. C'est où les cabinets? Ce sont les renfoncements, là, à gauche et à droite, encadrés par les animaux. Voyez-vous? Non, je vois pas. Mais si, regarde dans mon visage. Oh oui, c'est joli. Mais oui. Essayez de capter avec vos zooms les effets de cette perspective grandiose. Son importance est capitale dans la beauté de ce jardin. Si Louis XIV conduit d'abord ses visiteurs à ce point, c'est qu'il sait combien son architecte paysager, dirions-nous aujourd'hui, le jardinier le nôtre, a réussi ici un coup sans pareil. La création d'une perspective est inséparable d'un jardin à la française. Le nôtre ne l'a pas inventé, mais il l'a porté à la perfection. En additionnant ici un parterre d'eau, une très grande allée et un canal long de près d'un kilomètre, il dégage une perspective d'une amplitude jamais vue qui se perd dans l'infini. De même que nous avons deux yeux, deux jambes, deux bras, deux poumons, deux oreilles, tout se trouve ici dans une disposition organique fondée sur la symétrie. Tel bassin répond à tel bassin, tel bosquet répond à tel autre bosquet, etc., etc. Les allées sont des veines de ce vaste organisme au travers duquel nous allons évoluer. Et où se trouve le cœur de cet organisme? Réponse tout de suite, par ici. Il faut ensuite aller droit sur le haut de la tonne et faire une pause. Approchez, approchez. Pour considérer la tonne, les lézards, les rampes, les statues, l'allée royale, le canal. Et puis se tourner pour voir le parterre et les châteaux. Et le château. À propos du château, il faut savoir que Versailles, avant d'être cette splendide demeure, fut d'abord un très beau jardin. Cet immense palais que vous avez maintenant sous les yeux, il a fallu près de 50 ans pour l'édifier, par une série d'agrandissements successifs réalisés autour du petit pavillon de chasse de Louis XIII. Alors qu'il n'a fallu guère plus de 10 ans à le nôtre pour créer un magnifique jardin et le mettre tout de suite au service de la politique de munificence du roi Soleil. C'est dans les jardins que la volonté du roi, sa politique même, s'est le plus exprimée. Par des fêtes somptueuses, enchantées, qui duraient plusieurs jours et qui se déroulaient successivement dans toutes les parties du parc.
Mais, par exemple, ici, on a joué Molière, Lully. On avait construit une scène, là, dont le fond s'ouvrait sur la perspective de l'allée royale. Bois, prés, fontaines, fleurs, qui voyez mon emblème. Si vous ne le savez, je vous apprends que j'aime. Philly, c'est l'objet charmant qui tient mon cœur en attache, et je devins son amant, la voyant traire une vache. Ses doigts, tout pleins de lait, et plus blanc mille fois pressait le bout du pis d'une grâce admirable. Ouf ! Cette idée serait capable de me réduire aux abois. Phyllis, Phyllis, Phyllis ! C'était au mois de mai 1664, pendant une fête qui s'appelait Les plaisirs de l'île enchantée. C'était une fête à thème inspirée par le roman de l'écrivain italien L'Arioste, intitulé Le Roland Furieux. Le roi et ses proches y paraissaient déguisés en chevaliers du Moyen-Âge. La fête dura 6 jours, alternant les défilés, les concerts, les festins, les comédies, les ballets et les parades, le tout couronné par des feux d'artifice grandioses. Secrètement, cette île enchantée était dédiée par un roi de 26 ans qui avait pris le pouvoir 3 ans plus tôt, à sa maîtresse du moment, Louise de Lavallière. 2 autres grandes fêtes, en 1668 et 1674, enchanteront encore les allées de Versailles. L'une en l'honneur de Madame de Montespan, l'autre en hommage à Madame de Maintenon, les maîtresses suivantes. Versailles est le parc des fêtes de l'amour royal. Il faut après tourner à gauche pour aller passer entre les sphinx. En marchant, il faut faire une pause devant le cabinet pour considérer la gerbe et la nappe. C'est quoi la gerbe et c'est quoi la nappe? Ben oui, c'est là où il serait bien d'avoir de l'eau. Vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît? Allô, les fontainiers? Oui, nous sommes au cabinet du point du jour. Vous pouvez nous envoyer l'eau, s'il vous plaît? Très bien, merci. Ces animaux batailleurs, combatifs, que vous voyez là, ont été fondus en bronze par les frères Keller, alors directeurs de l'arsenal. Ils proviennent donc des mêmes ateliers que les canons des armées royales. L'art est une autre façon de faire la guerre. L'art de la guerre et la guerre des arts, ce sont, si on peut dire, 2 voies royales dans lesquelles Louis XIV engagera beaucoup la France, escomptant l'avoir triomphé des autres nations. Et en un sens, il y parviendra. En arrivant au Sphinx, on fera une pause pour voir le parterre du Midi et on ira droit sur le haut de l'Orangerie, d'où l'on verra le parterre des Orangers et le lac des Suisses. Vous voyez ? Et si nous avons des Sphinx en marbre chevauchés par des enfants ailés, des amours, qui font un curieux geste, vous ne trouvez pas ? Que signifie leur attitude? Est-ce une invitation à progresser, s'avancer, à approcher, ou au contraire, un geste qui veut dire stop, reculer, attention, danger? Les spécialistes de la symbolique n'arrivent pas à se mettre d'accord. En tout cas, ils le sont tous pour affirmer que Versailles est un jardin initiatique où chaque statue, par son sujet, par sa position, contient un message. En fait, chaque allée fait partie d'un itinéraire qui conduit progressivement à une révélation. Ainsi, en marchant de site en site, le visiteur averti progresse vers une vérité, une sagesse. Le lac des Suisses, hein? Le lac des Suisses tire son nom du nom du régiment des gardes suisses du roi qui l'ont creusé. On trouve souvent des militaires à Versailles, hein? Ça c'est très très important. Quand ils ne sont pas à la guerre,
viennent aider les terrassiers qui travaillent ici. Parce qu'ici, il faut creuser, il faut niveler, construire des pentes, renforcer. C'est un véritable travail de fortification. Et d'ailleurs, le Vauban, le grand Vauban. Vous voyez qui est Vauban? Oui, c'est le célèbre architecte. Le grand architecte militaire, bravo, eh bien, était très souvent sollicité. Et il a mis la main, d'ailleurs, à cette orangerie. Ici, autrefois, vous n'aviez que des marais. On les appelait les marais puants. Et maintenant, eh ben ça sent la fleur d'oranger, ce qui intéresse beaucoup monsieur. Pardon, je vous en prie. Il y a plus d'oranger là ? Non, pas seulement des orangers, il y a des citronniers, des grenadiers, des palmiers, des que sais-je encore. Et savez-vous d'ailleurs d'où viennent ces arbres rares, très rares sous nos climats, hein ? À votre avis, d'Espagne, d'Afrique ? Volvicomte, Seine-et-Marne. De Volvicomte, mais très bien, absolument, où Louis XIV les a fauchés à son ministre des Finances, Fouquet, qu'il vient de destituer et de jeter en prison pour volerie. On était hier à Vaux. J'ai filmé un peu. Vous voulez voir ? Montrez-moi ça. Ah voilà. Ah oui, oui, oui. C'est super là. Vous voyez cette perspective là ? Il retombe sur la rivière des Tournées. Ça, c'est le premier chef-d'œuvre de Lenôtre. C'est très bien que vous les filmez. C'est bien. Le potager, il est où alors ? Le potager, il est à la limite de la ville là-bas, mais c'est très très loin, nous n'avons pas du tout le temps d'y aller. Pas plus que d'aller voir cette statue, vous voyez, là-bas. La statue, oui. La statue. Là, vous voyez, derrière le lac là-bas, vous voyez, au fond de la prairie, dans le renfoncement entre les arbres. C'est le roi, là ? C'était le roi. C'était le... Écoutez, avec votre zoom braqué à fond, là, oui. zoomé, oui. Pouvez-vous voir des flammes sous le cheval ? De flammes, avec on dirait plutôt de l'herbe tordue par le vent. Non, ce sont des flammes ajoutées par ordre du roi afin de faire croire qu'il s'agissait du cavalier Marcus Curtius, un héros romain, et non le roi lui-même. Quand Louis XIV reçoit cette statue réalisée par le Bernin, le grand sculpteur italien, 14 ans après sa commande, 14 ans, il ne se reconnaît plus dans ce jeune homme fougueux, dépoitraillé. Il a de lui alors, et il veut donner de lui une autre image. Il pense d'abord faire détruire la statue. Heureusement, le sculpteur Girardon propose de la maquiller en héros romain, en rajoutant des flammes. Mais ça ne suffit pas à Louis XIV. Alors il se débarrasse de ce portrait juvénile en le plaçant au bout du parc, à l'extrémité sud. Mais du coup, cette statue posée là occupe une place clé. Elle devient une borne symbolique. Mais vous verrez, on pourra en reparler quand on verra son opposé, qui est l'opposé de cette statue, à l'extrémité nord. Elle a l'air super. Ah, mais elle est tout à fait splendide. Et de dos, alors c'est carrément magnifique, parce que de dos, on voit le château à ses pieds qu'elle a l'air d'enjamber. C'est somptueux. Oui, alors, faut y aller, là, puisqu'on attend. Oui, très bien. Allez-y, hein, allez-y, vous allez faire un petit tour comme ça. Mais alors, d'après les décrypteurs de certains chiffres symboliques, il y a 666 toises d'ici au fond du parc. Hein. Et 666, c'est le chiffre de la bête de l'apocalypse. Absolument. Bon, bravo, mademoiselle. Il est très fatigant, ce... 656. On descendra par la rampe droite de l'orangerie. Et l'on passera dans le jardin des orangers. On ira droit à la fontaine d'où l'on considérera l'orangerie. On passera dans les allées des grands orangers, puis dans l'orangerie couverte, et l'on sortira par le vestibule du côté du labyrinthe. Mesdames et messieurs, je vous l'ai déjà dit, à Versailles, alors rien n'est laissé au hasard. Tout est régi par un principe de... mise en scène. Voilà. Le roi l'a voulu ainsi. Tout est là pour montrer sa suprématie, son pouvoir. Continuons. 629, 629, 629. Hé, oh, 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 oh. 633, 632, 633. Oui, merde. Tu crois qu'elle se mange, les oranges ? Mmh, ça me donne faim. Tu veux du chocolat ? Ouais. Il paraît que certains orangers datent de 14.
Non, je crois pas. C'est dans l'arrangement. C'est l'autre, l'autre, le sein, c'est pas ça. Oui, c'est un vieux super. Entrez, mesdames, messieurs, dans l'orangerie. Ici, la température ne descend jamais en dessous de 5 ou 6 degrés. Grenadiers, palmiers, citronniers passent ainsi l'hiver au chaud. On les sort au printemps et on les rentre à l'automne. De sorte que les rigueurs du climat français sont abolies. Le roi de France se rêve monarque d'Orient. La France et la Grèce se confondent. En présence de ces fruits d'or, on se croirait dans le jardin des Hespérides. Il ne faut pas oublier qu'au XVIIe siècle, on vit de plein pied avec les héros de la Grèce antique. Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. Viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille. C'est vous-même, Seigneur, quel important besoin vous a fait devancer l'aurore de si loin. On a joué Racine ici, en 1764. La création d'Iphigénie, c'était ici. Et les murs s'en souviennent encore. Mon père, cessez de vous troubler. Vous n'êtes point trahi. Quand vous commanderez, vous serez obéi. Ma fille, il est trop vrai. J'ignore pour quel crime la colère des dieux demande une victime. Mais ils vous ont nommé. Un oracle cruel veut qu'ici votre sang coule sur un autel. Barbare, c'est donc là cet heureux sacrifice que vos soins préparés avec tant d'artifices. Aussi barbare et fou qu'impitoyable père, venez si vous l'osez la ravir à sa mère. Et vous, rentrez ma fille, et du moins à mes lois, obéissez encore une dernière fois. On entrera dans le labyrinthe. Et après avoir descendu jusqu'aux aucanes et aux chiens, on remontera pour en sortir du côté de Bacchus. Allons-y. Le labyrinthe n'existe plus depuis 1778. C'est le roi Louis XVI qui l'a fait remplacer par des jardins à l'anglaise, appelés Bosquet de la Reine, en l'honneur de... Marie-Antoinette. Bravo. Voilà. Ça, c'est la culture. Allons-y. Ce fut un des premiers bosquets aménagés par le nôtre, sur une idée de Charles Perrault. Charles Perrault, ça vous dit quelque chose, Charles Perrault? Le petit pousset, on prend. Mais le petit pousset, très bien. Le circuit en était fort compliqué. Il permettait d'aller de fontaine en fontaine. Il y en avait très exactement 39, illustrant les fables d'Ésope. Auriez-vous aimé vous y perdre? Bien sûr. Eh bien, permettez-moi de vous y conduire. Allons-y. Alors, voici le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue, c'est pas la fontaine. Le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Ce bestiaire parle évidemment des vices et des vertus de l'espèce humaine. Pour instruire le dauphin, son précepteur, le grand Bossuet, l'amenait ici pour le préparer avec des leçons de morale à exercer un jour ce que Louis XIV appelait le métier de roi. Voici, c'est le loup et la tête. Chaque fontaine était accompagnée d'un petit quatrain qui exprimait la leçon de la fable. Celle-ci, par exemple, les cannes et le chien, disait « On ne force pas toujours ce que l'on poursuit ». Je vous arrête à l'entrée de ce chemin, qui est en courbe, et non en ligne droite, pour vous faire saisir un des principes de le nôtre, à savoir, ne jamais donner d'accès direct aux surprises abritées dans les bosquets, mais les faire découvrir au dernier moment par des chemins brisés. Même d'ici, vous ne pouvez absolument pas soupçonner ce que vous allez découvrir 20 mètres plus loin. Allons-y.
Voici la salle de bal avec sa piste. Quasiment dans l'état où le nôtre l'avait créé. Les musiciens se tenaient au-dessus de la cascade et les notes se mélangeaient à la mélodie des eaux. Regardez, regardez comme le nôtre a admirablement tiré parti de la pente forte de la colline pour créer un pendant rocailleux à la façade lisse de l'orangerie. Regardez aussi ces gradins arrondis. Ils rappellent la déclinaison des 100 marches, mais sur un mode fantaisiste, baroque. Voyez-vous ? Toute l'architecture est faite en pierre meulière d'Île-de-France. Regardez. Sauf les incrustations de coquillages et de lapis-lazuli qui viennent de Madagascar. Ce bosquet met donc en scène la puissance de la France outre-mer. C'est une ode à la gloire des colonies. Le nôtre meurt en 1700. Son successeur, Jules Ardoin Mansart, fait supprimer la piste de danse en 1707. Mais il ne touche pas aux cascades. Vous savez, à cette époque-là, Louis XIV a vieilli, il a près de 70 ans. Le temps des fêtes est passé. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs Louis XIV et que les jardins portent la marque de l'évolution psychique, idéologique et même physique du roi. Comme si les jardins étaient une somme d'autoportraits du monarque, puisque rien ne se faisait sans l'autorisation de Sa Majesté. On ira droit au point de vue du bas de la tonne. Quand on sera au point de vue, on y fera une pause pour considérer les rampes, les vases, les statues, les lézards, la tonne et le château. De l'autre côté, l'allée royale, l'Apollon, le canal, les gerbes des bosquets, Flore, Saturne, à droite, Cérès, à gauche, Bacchus. Voilà, regardez bien sur le plan où nous sommes. Nous sommes donc au point de vue d'où l'on peut voir les quatre fontaines des saisons qui forment les quatre coins d'un rectangle structurant le centre du jardin. Rectangle à l'intérieur duquel vient s'épanouir un losange dont les pointes sont le point de vue, l'Apollon, Flore et Saturne. Cette construction géométrique rigoureuse, évidente, explique sans doute que le plan de Le Nôtre n'ait jamais été remis en question depuis 3 siècles. C'est d'ici que l'on mesure le mieux le génie de Le Nôtre. Premier trait de ce génie, ouverture des jardins sur l'infini. Sous Louis XIII, cette allée existait déjà, mais Le Nôtre l'élargit et la prolonge par un long canal qui se perd presque à l'horizon. À la différence du jardin médiéval, qui était un espace clos, le jardin de Louis XIV est ouvert. On n'en voit pas les limites. Il communique avec la nature non domestiquée, indiquant qu'elle est, elle aussi, un espace à conquérir. Cela correspond bien au sentiment que l'on a du monde à l'époque. La découverte de l'Amérique et les grandes expéditions maritimes vers l'Inde, la Chine ou le Japon ont institué une vision sans bornes que le jardin met en abîme. Deuxième trait de génie, le jeu de la différence et de la symétrie. À Versailles, il n'y a pas un parterre qui soit semblable à un autre, pas un bosquet qui n'offre un spectacle déjà vu ailleurs. Tout change et renouvelle le plaisir à l'intérieur d'une distribution fixe, harmonieusement calculée. Troisième trait de ce génie hors du commun, le rapport de force avec le site.
Regardez par exemple cette rampe en fer à cheval. Sa construction mobilise des moyens de terrassement, de creusement, de soutènement, d'apport de terre énormes. Le nôtre tire parti du site tout en le contraignant. Il le rabote et le rehausse pour l'incliner. Il n'a pas peur de tyranniser la nature, comme on disait à l'époque. On disait tyranniser la nature, c'est important. Le résultat est absolument somptueux. Cette rampe achève de parfaire le point de vue vers le château en opposant un souple évasement à une horizontalité rigide, anguleuse. Je vous invite maintenant à remonter un peu vers le château pour découvrir de face la déesse Latone que nous avons vue tout à l'heure de dos. Il est temps d'expliquer pourquoi cette statue est le cœur de ce jardin. Elle représente Latone et ses deux enfants, Apollon et Diane, que l'a eu de Jupiter, le roi des dieux. Et là, elle est en train de fuir devant la méchanceté des paysans. Paysans que Jupiter punira en les transformant en grenouilles et en lézards. C'est une référence directe à un épisode de la Fronde qui est ici mis en scène. Lors de l'insurrection d'une partie des nobles, la mère du jeune Louis XIV fut contrainte de quitter Paris avec ses enfants. Les révoltés furent vaincus et châtiés comme il se doit, et la famille royale put revenir à Paris. Ce que ce monument proclame, c'est que le petit Apollon a grandi, qu'il est devenu le soleil, l'astre autour duquel tournent toutes les planètes. D'ailleurs, tout le site de Versailles est investi par une symbolique solaire. La chambre du roi s'ouvre sur l'est, face au lever du soleil. Le grand axe est ordonné lui aussi selon la course du soleil. Au pied du tapis vert, le bassin d'Apollon figure le dieu solaire surgissant des eaux pour accomplir sa course diurne. Un autre monument, placé à l'opposé de celui-ci, raconte ce que le soleil fait la nuit. Que fait-il la nuit ? Il se repose au fond de l'océan, dans la grotte de Tétis, l'épouse de Neptune, le dieu des mers. Les servantes de Tétis lui prodiguent des soins, tandis que des tritons s'occupent des chevaux du soleil. Originellement, elle se trouvait dans une grotte, là où se trouve actuellement la chapelle. À l'est ? La grotte a été détruite lors de la construction de l'aile nord. À l'est, donc ? Oui. Curieusement, à Versailles, le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Et à mon avis, ce n'est pas du tout un hasard. Cette inversion des points cardinaux est une des clés essentielles de ces jardins. Comme nous allons le comprendre en poursuivant notre itinéraire. On descendra par la girandole qu'on verra en passant pour aller à Saturne. On en fera le demi-tour et l'on ira à l'île Royale. La girandole, l'île Royale, et ici, on aperçoit le bassin de Bacchus. Au fond de cette allée. Et là, donc, Saturne. Remarquez qu'ici aussi, Saturne est placé à l'envers de son positionnement traditionnel. Dieu de l'hiver, saison où les jours augmentent, devrait être placé à l'est, direction où le soleil monte. De même, Bacchus, dieu de l'automne, saison où les jours diminuent, devrait être placé à l'ouest, là où le soleil descend. Or, ici, c'est tout le contraire. Pourquoi ? La réponse, au bout de ce chemin, dans le bosquet appelé île Royale. Ce bassin s'appelle Miroir du Roi. Hop ! Avec ces deux jets. Quelqu'un peut-il me prêter un miroir ? Oui, j'en ai un. Merci. Un miroir. Ça fait quoi ? Ça réfléchit. Oui, ça réfléchit en inversant. C'est ça qui est important. La gauche devient la droite, l'est devient l'ouest.
Et voilà la clé de l'inversion des points cardinaux dans le marquage symbolique du parc. Les jardins de Versailles sont un miroir. Et pas seulement les pièces d'eau, tous les jardins. Un immense miroir tendu vers nous, reflétant le roi. Le roi y imprime son image comme un reflet dans un miroir. On passera sur la chaussée où il y a des jets aux deux côtés et l'on fera le tour de la grande pièce. Quand on sera au bas, on fera une pause pour considérer les gerbes, les coquilles, les bassins, les statues et les portiques. Il ne reste plus rien de ce bassin dont le centre était occupé par une île, l'île d'Amour, avec au milieu un immense jet. Le nôtre l'avait créé en 1671 pour drainer les eaux de cette partie basse du parc, joignant ainsi l'utile à l'agréable. En 1684, changement de programme. Le roi vient d'épouser Madame de Maintenon. Fini les escapades. L'île d'Amour est supprimée et le grand jet est remplacé par 5 petites lances. Sous la Restauration, vers 1820, le bassin est supprimé à son tour, au profit d'un jardin à l'anglaise, avec une grande pelouse au centre. On enfouit le secret du roi libertin sous la terre. Mais pas complètement. Le dessin du bosquet raconte encore des choses indiscrètes à qui sait les voir. Regardez ce miroir, page 34. Page 34. Voyez le miroir. Petit bassin devant lequel nous étions placés tout à l'heure. Si vous remarquez bien, il est en forme de vertugadin. C'est quoi un vertugadin? Un vertugadin. Gardien. Un vertugadin. C'est une robe de femme évasée. Tu gardes la vertu tout en ouvrant des perspectives? Mais oui, on peut tout à fait dire ça. Il protège le sexe, mais en même temps invite à s'en approcher. À s'y glisser. Vous voyez, c'est la forme géométrique abstraite de l'embarquement pour Cythère. C'est très coquin. Oui, ça l'est absolument. Du dernier coquin. Mais... Voilà. Bien. Donc, c'est Louis XIV, c'est une invite express qu'il adresse discrètement. En ordonnant, c'est parti. C'est lui. On entrera dans la colonnade. Entrons dans la colonnade. On ira dans le milieu, où l'on fera le tour pour considérer les colonnes, les cintres, les bas-reliefs et les bassins. C'est Ardouin Mansart, et non le nôtre, qui décida de cette architecture où le minéral se substitue au végétal. En fait, ça n'est ni plus ni moins qu'une œuvre de propagande à la gloire du marbre français. La guerre artistique contre l'Italie se poursuit ici par l'utilisation de 4 marbres d'origine française contre un seul venu de Carrare. Soit dit en passant, c'est quand même celui qui se dégrade le moins. L'enlèvement de Proserpine par Pluton, sculpté par Girardon, est venu tardivement occuper le centre de ce monument. Il ne figure pas dans l'itinéraire du roi. On donnait là des fêtes. On y faisait de la musique. Mozart y a joué, sous Louis XV, bien sûr. Louis XVI aimait aussi venir lire dans ce bosquet. Le nôtre ne l'aimait pas. Au roi qui lui demandait son avis, le nôtre répondit avec sa franchise coutumière : vous avez commandé un jardin à un maçon, il vous a servi un plat à sa façon. Bien. En sortant, on s'arrêtera pour voir le groupe de Guidi et l'on ira du côté de l'allée royale. Ce groupe était là, ici. Où ? Là, vous le voyez là. Il s'agit de la renommée du roi.
mais nous le rencontrerons ailleurs à une place clé. Par ici la sortie. On descendra à l'Apollon, où l'on fera une pause pour considérer les figures, les vases de l'allée royale, la tonne et le château. On verra aussi le canal. Panoramique à 360 degrés. Allez-y, messieurs, dames. C'est le mouvement de la rotation solaire que le roi nous invite à reproduire pour constater de visu et cum jambis sa reproduction dans le parc. Sa reproduction inversée. C'est plus doux charme, sitôt que vous l'abandonnez. Revenez, revenez, amour, revenez, revenez, amour, revenez. Hélas, hélas, les amours n'y sont pas. Sans les amours, rien ne peut plaire. Sous le règne de Louis XIV, une vraie petite armada flottait sur ce canal, avec ses canots, ses chaloupes et ses marins, pour faire fonctionner les bateaux. Même les ambassadeurs qui venaient ici, pour les impressionner, pour les inciter à finir de conclure un traité, on les emmenait sur le canal, où le roi tâchait de l'éblouir par sa puissance. Et les choses ne se faisaient pas dans un but ludique, évidemment, mais toutes à des fins de stratégie. Il faut même dire que Louis XIV a étudié le projet de relier le canal à la Loire, pour ainsi donner un accès à l'Atlantique, en partant d'ici même. Hélas, hélas, les amours n'y sont pas. Sans les amours, rien ne peut plaire. Revenez, revenez, amour, revenez, revenez, amour, revenez. On entrera dans la petite allée qui va à Flore. On ira au bain d'Apollon et l'on en fera le tour pour considérer les statues, cabinet, il n'y en a plus, et bas-relief. Nous voici au bosquet des dômes, de domus, maison, en latin. Bosquet que le roi nomme bain d'Apollon. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il rédige cet itinéraire, les trois groupes des bains d'Apollon sont installés ici. Ils y resteront pendant une dizaine d'années après la destruction du temple de Tétis, que j'ai déjà évoqué. C'est l'endroit de Versailles où les jeux d'eau et les jeux de lumière, à cause du marbre, à cause de la forme des balustrades, atteignent des degrés de subtilité absolument sublimes. Par le nombre de ces statues, ce bosquet fonctionne un peu comme une galerie. Les bas-reliefs que le roi invite à considérer représentent les armes dont usent les diverses nations d'Europe dans leurs combats.
remarquez une fois de plus la liaison entre la guerre et les arts. Une autre guerre fait rage dans le bosquet suivant. On passera par l'Encelade, où l'on ne fera qu'un demi-tour, et après l'avoir considéré, on en sortira par en bas. Un demi-tour, le roi semble pressé. Il est vrai que pour découvrir ce spectacle grandiose, quelques secondes sont tout à fait suffisantes. Ici, on peut voir la révolte des géants contre Jupiter. Une fois de plus, ça nous renvoie à la révolte des nobles contre le roi. En fait, il s'agit d'un avertissement aux frondeurs. Et quel avertissement ! Regardez la réaction impitoyable de Jupiter. Il provoque une pluie de rochers qui ensevelissent les géants. L'Encelade est l'un d'eux, métamorphosé en volcan, l'Etna. Le message est clair, non ? Gare à celui qui ose me défier. L'Encelade, c'est un des jets les plus hauts du parc. Situé tout en bas des jardins, il bénéficie de toute la force gravitationnelle. C'est ici que la pression de l'eau est à son maximum. Je crois que le moment est venu de vous parler de l'histoire des eaux de Versailles. Un travail de titan. Vous imaginez bien que pour alimenter les fontaines de Versailles, il fallait beaucoup, mais beaucoup d'eau. Et comme il n'y en avait pas suffisamment aux alentours, il a fallu la faire venir de loin, de très loin. Alors, on l'économisait en ne mettant en marche qu'une partie des fontaines. Pendant la promenade du roi, on ne faisait fonctionner que celles qui étaient visibles sur son passage. Amusant. C'est bien beau d'amener de l'eau, mais il fallait aussi la stocker dans de grands réservoirs. Alors, on en construisit près du château, au nord. Pour avoir de l'eau en permanence à disposition, toute la région fut pompée de fond en comble. D'abord, on a utilisé l'étang de Clagny, qui est tout près. Il y avait une pompe actionnée par des chevaux qui montait l'eau au dernier étage d'une tour, d'où elle pouvait s'écouler vers les jardins avec force. Puis, on a mis à contribution de nouveaux étangs, ceux de Bois d'Arcy, de Trappe. Et comme ça ne suffisait toujours pas, on construisit une énorme pompe sur la Seine, à Marly, avec son aqueduc, bâti par Vauban, et 32 000 soldats. Et ça ne suffisait toujours pas. Alors on projeta de détourner la Loire. Mais comme le fleuve était trop loin, on se rabattit sur l'Eure. Il fallut creuser un canal et édifier deux viaducs. Un autre réservoir, souterrain celui-là, fut creusé sous le parterre devant le château. Les eaux tournent en circuit fermé. Il s'en perd 10% pendant les grandes eaux, soit par évaporation, soit par des chutes hors des bassins provoquées par le vent. Aujourd'hui, le système est le même, sauf qu'à la place du moulin, c'est un moteur électrique qui donne l'énergie nécessaire à la remontée de l'eau vers les bassins. Et ça marche évidemment beaucoup mieux. En ordonnant tous ces travaux, Louis XIV et ses ministres, Colbert, Louvois, jetaient les bases de ce qu'on nomme aujourd'hui l'aménagement du territoire. C'est-à-dire la planification des infrastructures et des équipements au niveau de toute une région, voire d'un pays tout entier. On peut dire que Versailles a servi de modèle pour construire l'État moderne. On ira après à Cérès pour aller au théâtre. On verra les changements et l'on considérera les jets des arcades. Non mais je ne vous parle pas d'un théâtre, de faire du théâtre, je vous parle d'un théâtre d'eau. D'eau. Le théâtre d'eau,
c'est l'un des plus beaux spectacles créés par le nôtre. C'est un condensé de l'art du jardin baroque. Il ne reste pratiquement plus rien de ce bosquet, qui fut démantelé au XVIIIe siècle. Mais bientôt, vous pourrez voir ce théâtre d'eau comme il était sous Louis XIV, car il va être reconstitué, ainsi que d'autres bosquets également dégradés. Spectacle que Louis XIV n'a pas pu voir parce qu'il fut aménagé sous Louis XVI par le peintre Hubert Robert. Vous vous souvenez des trois groupes sculptés de la grotte de Tétis dont je vous ai parlé? Eh bien, les voici. C'est le bosquet le plus étranger au goût de le nôtre. L'eau ruisselle de partout. Une fosse grotte est construite. Les chevaux trempent leur nez dans l'eau. Sans parler de cette musique pompeuse, déversée à flot les jours de grandes eaux. La prochaine étape nous fait sortir de l'axe est-ouest et nous plonge au cœur de l'axe nord-sud par la transition des Trois Fontaines. On entrera aux Trois Fontaines par en haut, on descendra et après avoir considéré les fontaines des trois étages, l'on sortira par l'allée qui va au dragon. Par ici. On tournera autour du dragon et l'on fera considérer les jets et la pièce de Neptune. Tout cet ensemble. Ce bassin a été créé dès l'aménagement du site pour drainer les eaux de cette partie basse. Tiens, voilà 666. Ah bah vous tombez à pic, vous. Alors? Ah bah ça y est, je l'ai eu, c'est lui. C'est lui? Non, c'est lui. L'astre, oui. L'astre qui lui. Ah bah vous tombez à pic parce que justement j'allais parler de cette statue à l'extrémité nord et qui fait pendant à cette statue de Bernin que vous êtes allé filmer, on peut voir? Absolument, donc... Avec ah oui, c'est lui. Le feu. Le feu en dessous. Mais j'aimerais bien savoir quelque chose en fait, c'est pourquoi il a mis Louis XIV cette statue dans l'endroit où personne ne va. Parce que en fait, bon, on sait très bien qu'il aimait se mettre en avant et qu'il était splendide. Donc. Mais il est splendide. Oui. Il est splendide. Mais ce qui me convient, ce n'est pas une mise au rebut, mais une mise en scène. La mise en scène, c'est l'art des distances. C'est la distance entre les acteurs qui expriment tel ou tel sens dans l'espace. La distance dont on est question ici, c'est la distance entre cette figure du Bernin, qui est là, et cette autre statue à l'extrême nord, la Renommée, qui elle est l'œuvre d'un autre sculpteur italien, Guidi. Au sommet de sa gloire, Louis XIV se complaît davantage dans l'image noble que donne de lui Guidi. Et c'est pourquoi, en 1702, il fait installer cette sculpture à l'entrée nord, par où rentre beaucoup de monde. L'extrémité sud, le sud, c'est la région des plaisirs, étant marquée, gardée par la figure caracolante du Bernin. En postant ces deux figures de lui-même à ces deux frontières, Louis XIV trace un nouvel axe symbolique dans le parc. Un axe qui longe le château et qui est un axe politique, où le roi est représenté par lui-même, par des figures de lui-même, un axe qui s'oppose à l'axe perpendiculaire au château, qui lui est l'axe mythologique que nous venons de parcourir, axe dans lequel la majesté du roi est représentée à travers la figure mythologique d'Apollon, enfant d'abord, adulte ensuite. Vous voyez, c'est simple. D'un côté, Apollon, le roi soleil, de l'autre, le roi lui-même, Louis le Grand. Romald, ici, on s'approche. Écoutez, non, on n'a pas le temps parce que nous avons encore... Je fais juste un petit saut, hein, je vous retrouve. Allez-y, est-ouest, allez-y, nord-sud. Est-ouest, nord-sud. À tout de suite. Hein. À tout de suite, à tout de suite.
L'étape suivante de l'itinéraire du roi nous conduit dans le bosquet de l'Arc de Triomphe. Bosquet actuellement en restauration, où l'on peut vérifier que cet axe nord-sud est bien un axe politique. On ne peut y entrer, mais une fois de plus, les peintures de Cottel, reproduites dans votre livret, sont d'un grand secours. Le bosquet, vous le voyez, est construit autour de la statue de la France triomphante. Triomphante des ennemis que Louis XIV a vaincus, l'Espagne et la Hollande. On ressortira par le dragon, on passera par l'allée des enfants. Et quand on sera sur la pierre qui est entre les deux bassins d'en bas, on se tournera pour voir d'un coup d'œil tous les jets de Neptune et du dragon. On continuera ensuite de monter par ladite allée. La montée par l'allée des enfants fut imaginée par Charles Perrault. Elle participe aussi d'une vision politique. C'est une haie d'honneur conçue par un monarque absolu qui veut montrer qu'il a triomphé de tout, y compris des ingratitudes du terrain. C'est ici, peut-être, que l'on peut se rendre compte le mieux du traitement ingénieux appliqué au site. Je vais vous montrer quelque chose. Approchez-en. Voici une lunette d'arpenteur. Tenez. Mais c'est inversé. Eh oui. Et ceci est un graphomètre. Ces outils furent inventés à l'époque de Louis XIV. Les ingénieurs et les géomètres s'en servaient pour apprécier les pentes, afin de contraindre le terrain à l'harmonie nécessaire aux constructions qu'on voulait y pratiquer. Sans ces outils, Versailles ne serait pas Versailles. On s'arrêtera au bas de la nappe, nous allons plutôt haut, et l'on fera voir les bas-reliefs et le reste de cette fontaine. Je vous invite à regarder les belles dames que voici, ou plutôt à deviner les nymphes qui sont là masquées sous ce splendide rideau d'eau, rideau qui voile un tableau exposant joliment les rapports du pouvoir et du sexe, de la jouissance et de la puissance politique. Un jeune chef, un vieux guerrier, le même homme, savourent ici les multiples conquêtes féminines qui ont accompagné leurs conquêtes martiales. Le monarque absolu trace ici son portrait en jouisseur absolu. Voilà, la visite touche à sa fin. Dernière étape. Nous allons avoir, je crois, un beau coucher de soleil. On passera après la pyramide, où l'on s'arrêtera un moment, et après, on remontera au château par le degré de marbre qui est entre l'aiguiseur et la Vénus honteuse. On se tournera sur le haut du degré pour voir le parterre du nord, les statues, les vases, les couronnes, la pyramide et ce qu'on peut voir de Neptune. Et après, on sortira du jardin par la même porte par où l'on est entré. Louis XIV invite le visiteur à se retourner une dernière fois pour contempler une dernière fois la meilleure image de Sa Majesté qu'il a voulu nous laisser. Ces alignements de buis taillés, c'est lui. Ces parterres de fleurs, c'est lui. Ces jaillissements d'eau dans la lumière, c'est lui. Le plan secret de ces statues disposées pour inspirer de la sagesse, c'est lui. Tout respire ici la puissance et la gloire. Les dessins de Le Nôtre deviennent une sorte de géométrie politique, abstraite et joyeuse. C'est émouvant, non? Merci, Le Nôtre. On a envie de crier. Vive le roi! Vive la France! Et vive la République! Bien sûr, évidemment, la République, bien sûr. Voilà, très bien. On va en faire une. Allez, allez vous mettre dans la photo, ah bah oui, là. Quand même. Allez, c'est pas sympa. Et voilà.
Ah oui, très très. Ah ben voilà, là on voit très bien l'art de Guidi. Là j'avais les batteries. L'art de Guidi. À fond. Hein, Guidi. Voilà, qui veut celle-ci? Qui veut celle-ci? Elle est belle. C'est pour vous, le homme là-bas. Et je vous offre celle-ci. C'est pour moi? Oui, ah, avec mes compliments, ça a été une visite. Ah bah écoutez, merveilleux. Bah, je vous fais la bise. Hein, merci. Merci bien, vous êtes bien aimable. Et vous n'avez rien filmé alors? Non, là, ma batterie m'a complètement. Vous a abandonné. Ouais. Eh ben oui, ça arrive, les batteries s'épuisent. Non, c'est la cochonnerie. C'est... Non, ne dites pas ça. Non, non. Si, si. Là, écoutez, merci. Je peux parler de